Nous sommes bien jeudi soir, il est précisément 18h et qu'est-ce qui se passe le jeudi soir à 18h sur 01 Live TV Nous vous posons la question. Mmh, que se passe-t-il C'est 01 et... Live. 01 Live, c'est le débriefing complet de l'actualité high-tech de la semaine. Et nous sommes ravis de vous retrouver. Bienvenue, on est en direct, bien entendu. Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. On est un peu punchy parce qu'il y a exactement 8 secondes, on était en train de danser sur le générique. Oui, c'est vrai, hein parce que maintenant on danse sur le générique. Vous raté quelque et peut-être qu'un jour vous verrez ça. Peut-être <laughs> qu'on fera une émission spéciale off. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. J'espère que non. Ce soir, nous allons parler de Google. Oui, puisque vous le savez, Google a annoncé pas mal de nouveautés hier. Nouveautés que vous avez pu vous suivre d'ailleurs en direct sur 01tv avec un live spécial. On va y revenir avec Mister Bruno Cormier qui a pu toucher Pardon. ces nouveaux produits, à la fois les Chromecast, les nouveaux Nexus. Il est euh, là. Bon, il va nous parler aussi de cette tablette un peu secrète et fantôme ouais. que Google nous a présentée hier. Euh, voilà, donc ça, ça sera dans un instant avec Bruno nous allons euh, également nous pencher sur le jeu vidéo avec un, un appareil que je suis sûr vous allez adorer lorsque vous allez le découvrir c'est emeric qui viendra nous apporter directement du labo j'ai nommé le. Shield Android TV, c'est Nvidia qui s'apprête à sortir cette bête qui c'est ultra haute définition, ça permet de jouer, ça permet de regarder des films, c'est le haut top. On en parlera tout à l'heure de ce produit et puis Jérôme tu as un petit coup de cœur. Ah ouais, je que à vous faire à découvrir, c'est un appareil photo français qui sort aujourd'hui, je vous en dis pas plus. Un appareil photo français. Un appareil photo français et alors un appareil photo très 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 spécial. Ah <laughs> un Bruno, il a je, je vois lequel j'ai deviné. Il a D'accord. <laughs> un truc que vous n'avez jamais vu. Mais il un suspense, non, mesdames C'est un truc que vous n'avez jamais vu. C'est incroyable. Bon, vous savez que nous sommes en direct, donc le hashtag 01Live est là pour ça. Vous pouvez d'ores et déjà réagir à l'actualité, poser toutes vos questions. Hashtag 01Live. Soyez les bienvenus. C'est parti pour ce Zéro en live live Bon, et avant de rentrer dans le vif du sujet, de revenir sur toutes ces annonces Google très intéressantes euh, que nous avons pu découvrir hier avec Bruno Cormier qui est ici présent. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Euh, et bien, avant tout cela, deux choses importantes. Euh, ouais. Notre question zéro net orange, Jérôme. Oui, la question zéro net orange du jour porte sur les Chromecast. Vous savez, ces petites clés qui vous permettent de diffuser sur un téléviseur de la vidéo ou même de l'audio. En provenance d'un smartphone, d'une tablette, etc. Exactement. On va en parler avec Bruno dans un instant puisqu'il y a du nouveau dans ce domaine. Alors, est-ce que vous utilisez vous-même aujourd'hui une clé Chromecast ou équivalent, par exemple Apple TV ou autre chose Bref, est-ce que vous utilisez chez vous l'une de ces petites passerelles, on va dire, pour euh, envoyer du contenu depuis un smartphone vers un téléviseur. Dites-le nous. Oui, voilà. c'est très simple. Vous allez voter sur www01 tv.com Très bien. Et puis sur www01 les amis, vous pouvez aussi remporter une enceinte Bluetooth. Ah ouais Oui, c'est l'enceinte Bluetooth Toulouse 2. Voilà, de semaine en semaine, j'arrive à mieux prononcer le nom. C'est deux Voilà, c'est la Divacor. Très belle enceinte Bluetooth qui fait partie des meilleures enceintes du moment. Elle a été élue enceinte numéro 1 au Labo01Net TV et au labo 01 netcom tout simplement. Et Sainte Enceinte, on vous l'offre chaque jeudi soir dans 01 Live Hebdo. Et d'ailleurs, on salue Louise Marie. Tourens qui a joué avec nous la semaine dernière qui a répondu justement à la question qu'on vous posait et qui euh, vient recevoir dans quelques jours cette petite enceinte bravo à louise marie euh, ça veut dire qu'il y en a une autre euh, d'enceinte à gagner mais alors vous vous dites mais comment comment remporter cette enceinte je rêve de la voir à la maison <laughs> c'est très simple il suffit d'écouter attentivement ce dont on va vous parler tout au long de ce zéro live hebdo. Et à la fin, on va vous poser une question liée à un sujet qu'on va évoquer. J'ai voilà, donc... rien compris. Redis-le, -re j'ai rien compris. T'as rien compris Non. Mais c'est pas possible ça. Ça fait plusieurs semaines que je l'explique. Tu écoutes 01net.tv. J'étais pas là la semaine dernière. Oui c'est vrai. C'est-à-dire que, c est... C est -à -dire que Jean... Jérôme s'endort. Donc des fois il n'est pas là. Donc là t'écoutes tout le temps. Ouais. Pendant 30 minutes jusqu'à la fin. D'accord. On pose une question sur 01 Ah Sur ce qu'on va se dire tout ça. Voilà. D'accord. Euh... Ah, je sais pas. T'avais une chemise de quelle couleur, etc. <laughs> vous y répondez. Vous laissez votre adresse mail et si vous êtes tiré au sort, vous aurez cette enceinte Toulouse. Et donc... pour y répondre, on fait comment www.01nettv.com. Okay. Il y a un petit jeu sur le côté gauche de l'écran. Là, j'ai compris. Et tu y réponds. Ça marche même sur mobile. Vous, vous rendez compte un peu comme c'est beau le progrès. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez jouer avec nous en direct, mais vous pouvez aussi jouer en replay. Si par exemple, vous nous regardez sur YouTube et vous vous dites ah là là, j'ai envie de jouer, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur www.01nettv.com. La question tout à l'heure. Mm -hmm. Tiens, regarde, je peux même te montrer la question à l'image. Pas la ouais. question. Je te montre le concours. Si Florian on peut le montrer. Ah voilà, ça se présente comme ça. C'est magnifique. Vous allez sur zeronetv.com et voilà. c'est là que ça se passe. Voilà. C'est en haut à droite en sortant de Mais la Regarde, source. je fais grossir la, 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 la ah, souris ça avec euh, L Capital. avec L Capital. <laughs> oh là là là, là, c'est beau ça. Tiens, une vidéo qui vous attend d'ailleurs sur TV où euh, Jérôme euh, nous montre toutes les nouveautés de L Capital, le ouais, nouveau navigateur si Mac. Euh, de Mac. Bruno Cormier, bonjour. Bonjour. Comment ça va Bruno euh, Ça va très bien. J'étais en train d'essayer de, de me souvenir d'où ça venait Cthulhu. C'est en fait c'est un vieux jeu vidéo. C'est un jeu ça de rôle. Call of Cthulhu. Ah, c'est ça oui. euh, et, euh, Cthulhu, je crois que c'est un démon, une oui, divinité, oui, oui, ou exactement. un truc comme ça. <laughs> Cthulhu, d'accord. On voit et la, et... la culture geek dans toute sa splendeur. Ah oui, là, rare. tout à l'heure. Ah, complètement, ouais. complètement. Bah, c'est Bruno Cormier aussi, mesdames hein, <laughs> et messieurs. Bon, Bruno était à Londres hier. Avant-hier, avant c'était le temps avant-hier. Avant-hier, mardi soir, euh, pour la conférence de Google. Ouais, effectivement. Et alors, donc, hashtag 01Live, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur les nouveautés Google qui ont été annoncées avant-hier. Les Nexus, les Chromecasts, vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Hashtag 01Live sur Twitter. Donc, on commence par quoi, Bruno On commence par les, par les smartphones. Allez, on commence par les smartphones, <laughs> ouais, ouais. on y va. Alors, les smartphones, deux smartphones. Là, un smartphone. Petit format, enfin entre guillemets, petit format. Le Nexus 5X, 5,2 pouces. Donc il est plus grand que le Nexus 5 euh, précédent, hein, qui était un 5 pouces. Donc voilà, c'est le 5X euh, coque plastique, mais alors euh, coque plastique, euh, je dirais euh, plutôt plastique. haut de gamme. Non, plastique haut de gamme, c'est-à-dire un peu polycarbonate euh, brossé. Euh, c'est assez sympathique quand même. Ça oui, ah, oui, non, c'est sympa. Plus mais en même temps, en termes de design, je veux dire, à part la finesse de l'appareil et, euh, et sa légèreté, je veux dire, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire malheureusement. Là là. Et quand Bruno Cormier dit ça, <laughs> tout le staff de Google tremble. Ah, mais attends, mais sué. moi j'ai vu un papier sur 01net, <laughs> 5 raisons pour lesquelles les Nexus nous ouais. ont déçus. Ouais, ouais, oui, c'est plutôt oh, décevant a, en, a, en fait. Euh. Aïe. On est désolé auprès de Google. Hein, vous faites des trucs bien, mais là, visiblement, avec ces Nexus. Bruno, vous l'avez un peu énervé. Hein. Pourquoi euh, Pourquoi on est déçu Parce que ce Nexus 5X euh, en version 16 Go, sans lecteur de carte mémoire, coûte 479 ah, euros. Trop en cher. 479 euros. Et bien sûr, c'est totalement euh, trop cher. C'est n'importe quoi. Bah, C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça avec des produits euh, estampillés Nexus, estampillés Google. Quoi. Voilà, exactement. Non, bon, non, déjà l'année dernière. C'est de plus cher en smartphone. Ouais, l'année dernière, on s'était déjà rendu compte que Google avait un peu abandonné le côté cheap, côté pas cher des Nexus. Mm -hmm. euh, les Nexus étaient déjà assez chers l'année dernière, la tablette aussi. Et euh, là, cette année, ben, c'est encore pire, quoi, en fait. Mm. Hein, donc, c'est encore plus cher. Donc, on m'a dit que c'était parce que Google voulait. Euh, vendre ça dans du retail en fait. Comme alors détail, les revendeurs en fait, hein, ah ouais. euh, les revendeurs euh, que même euh, pas seulement les revendeurs en ligne, mais les revendeurs euh, physiques. Ah, D'accord. Les magasins euh, réels. Les voilà, magasins voilà. Et Donc, alors, bon, ils sont obligés de faire plus cher pour bah, ça. Oui, parce qu'en fait, ils, ils sont, il faut, euh, ça, ça, compte, ça prend en compte des taxes et des, des coûts euh, supérieurs en termes de distribution sur les chaînes de distribution, ah, de, sur alors qu avant, channels, distribution voilà. que sur Internet. Voilà, avant c'était euh, de Google. Voilà, exactement. c'est Bon, c'est un peu... Euh, on, en fait, on comprend pas trop. Bon. Bref, le Nexus 5X, il a, quand même, euh, il a quand même un bon processeur, Snapdragon 808. Alors ça, c'est pareil, un hein, Snapdragon 808, 810. C'est des processeurs qui sont puissants, euh, mais qui ont tendance un peu à chauffer, qui ont tendance à ne pas être très bons en autonomie. On espère, on les a pas testés encore, mmh. mais on espère que ceux-là euh, seront euh, bien disciplinés pour être bons en autonomie. Quoi, hein. euh, bref, sur le Nexus 5X, pareil. Euh, que dire de plus Un écran LCD euh, qu'on n'a pas trouvé très lumineux. On s'est dit, euh, on s'est demandé si euh, ça pouvait pas être un peu plus lumineux. À mon avis, ça va pas dépasser euh, 500 candela, même voire plutôt avoisiner 400 candela. Et bon, au soleil, j'ai quelques doutes sur la visibilité de l'écran en plein soleil. Bon. Euh, on peut passer au Nexus 6P si vous voulez. Oui, je crois que là le Nexus 5. Ça, ça Il y en est. a eu pour son ça argent. Hein. Fait. Il a pris ça c'est Bonjour. Alors le Nexus 6P, euh, 6, oui, 6P, Nexus 6P, euh, 650 euros en France. Hein. 650 euros en version 32 gigas, pas de lecteur de carte mémoire toujours. Bon alors cette fois-ci, ce qui est quand même pas mal, ce qui est quand même nouveau, c'est que la coque est tout en métal et que c'est le premier Nexus tout en métal de Google. Donc euh, fabriqué par Fabriqué Fabriqué par Huawei, euh, Huawei qui a quand même beaucoup de. Oui, c'est une première, un hein, fabricant chinois, alors qu'en plus Huawei est plutôt mal vu aux États-Unis. Hein. Il y a eu beaucoup de, de polémiques, euh, que, euh, Huawei ne... enfin, que les États-Unis ne voulaient pas trop de Huawei sur le marché américain pour oui. euh, des raisons d'espionnage de, de, et tout ça, présumé. Bon bref, c'est Huawei qui, pr qui, euh, qui euh, produit ce, cet appareil qui a beaucoup d'expérience dans les appareils euh, full métal, hein, ce qu'on appelle... Euh, jacket. Euh, voilà, full <laughs> métal, jacket, totalement... Je plus mon PC. Pardon. <rire> totalement <rire> en métal. Euh, oh, ça va. Hein. Non, non, bien, tu euh, as fait pire. Oh, je ne suis pas sûr. Oui, je si, suis si, pas si, sûr. Si, si, tu as fait pire. Euh, okay. Donc Huawei s'est mis au garde-à-vous pour euh, faire le meilleur appareil possible hein, pour Google. Grave. Et euh, voilà, donc là, il est quand même assez joli on peut dire, euh, une belle coque en métal qui est bien biseautée. Euh, on est un peu réservé sur le design général de l'appareil, mais bon là c'est les goûts et les couleurs. Sachant que petit détail qu'on remarque pas vraiment sur toutes les photos ni toutes les vidéos, c'est que il y a une bande en plastique en bas de l'appareil, sur le dos de l'appareil, sur la coque arrière, il y a une bande en plastique pour toujours laisser passer les connexions des antennes. Ça, c'est interdit. C'est même conseillé si on veut capter. Voilà, c'est pas du tout interdit, évidemment, mais ça jure un peu, ça jure un peu. C'est très génial. Connecteur USB Type C. Ah oui, bon, il y a de l'USB Type C. Bon. Il, est, il est plutôt rigolo, il est sympa celui-là. Oui, il, il est sympa. Peu, euh, il, il a, oui, c'est vraiment, le, clairement, un design qui est pour le coup vraiment euh, novateur ouais. euh, chez les Nexus. Euh, on n'a pas parlé du capteur d'empreintes digitales qui a aussi sur le petit euh, Nexus euh, 5X, mm -hmm. euh, capteur d'empreintes digitales qui a l'air de fonctionner plutôt euh, rapidement, mm -hmm. euh, plutôt bien. Euh, alors là, c'était les démonstrateurs hein, qui avaient le, le doigt enregistré. Mm -hmm. euh, voilà, le Nexus 6P, il a une dalle euh, donc qui est bien Samsung AMOLED. Euh, ah donc, oui, parce qu'on s'était posé la question. 5,7 pouces. toute de, 5, de, pouce. de tout fait, en 5,7 pouces AMOLED, il n'y a que Samsung qui produit ces dalles, donc euh, oui. c'est forcément du Samsung. Euh, le seul truc, c'est que Samsung euh, sur euh, les S6 Edge Plus ou sur les Note 4 et tout ça, ils, avaient, ils appliquent en fait un, une technologie qui leur est propre, qui leur permet d'avoir un écran AMOLED extrêmement lumineux, qui peut monter jusqu'à 500 candela, 600 candela, euh, donc pour avoir une très bonne visibilité en plein soleil, alors que normalement la faiblesse des écrans AMOLED c'est la luminosité. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir cette technologie, donc encore une fois, oui. l'écran n'a pas l'air très lumineux, ce qui est un peu euh, décevant. Quoi. Tiens, euh, on a une petite question. Oui. Euh, la question d'Adrien qui nous dit pourquoi une telle différence de prix entre les USA et l'Europe concernant ces Nexus Eh bien, il euh, y a deux choses euh, les taxes, euh, les taxes euh, françaises, européennes et euh, la parité euro-dollar. Voilà, la parité euro-dollar qui est en défaveur de l'euro actuellement. Et. Euh, et les taxes, quoi. Donc, euh... Parce qu'on passe de 3,99 à 4,79. C'est-à-dire que 399 dollars. 380 même, hein. 379 dollars. Il y a 100 euros de plus, quoi, en fait. à, Non, non, à 400... 479 euros, hein. c'est bien ça. Hein. Oui, 479 450... dollars. Voilà, c'est 100 euros. C ouais, c 100... Oui, 100, 100 sous. 100 sous de voilà, plus. 100 voilà. sous. Voilà, c'est un peu, enfin, euh, oui, comment on explique intelligence. Bah, moi, je ne l'explique pas, vous voyez. Je, <laughs> je suis content de, entre les taxes, la je mot, me ouais, de le déplorer. Y a la taxe copie privée pour le stockage, j'imagine. Oui, il y a Plus, beaucoup de après, taxes. La, la parité euro-dollar, ouais, etc. Qui pas en notre faveur. Beaucoup de taxes, beaucoup ouais, de taxes malheureusement. Pas donc voilà, rien, c'est, bah, voilà, c'est pour tout ça. Donc, ça, donc, ça, ça flingue donc, un peu là, ça les, 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 la, la, le côté attrayant de ces deux appareils. Qu'est-ce qui est attrayant chez ces appareils C'est leur exclusivité sur Marshmallow, Android 6.0. Mmh. Euh, bon, euh, Android 6.0 marche Marshmallow avec quelques nouvelles fonctionnalités. C'est pas révolutionnaire non plus. Euh, c'est pas euh, bon, euh, ça va être mieux. Si ça va être un, un peu amélioré, mais c'est pas euh, par rapport au 5. Euh, Android 5, c'est pas non plus une totale ouais, pas une révolution. Euh, voilà, une voilà. révolution. Bah, écoutez, bah, vois, dessus, ils sont contents. C hein. Finalement, tu vois, je, je comprends tout à fait ce que dit Bruno le soir de la keynote à la fin moi c'est ce que je te disais j'étais très déçu. Oui oui, c'est vrai. Euh, T'es es parti tout je J'ai voilà. pas vu les produits. Oui, je pleurais un petit peu oui, en rentrant chez moi <laughs> parce que bah ouais, 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 non mais il n'y avait pas de waouh quoi, il y avait rien. Alors il y a quand même un petit coup de cœur, c'est la vraie nouveauté, la oui. seule nouveauté. Alors, pas euh, alors. La, voilà, voilà la seule nouveauté qu'on qu peut euh, que je peux considérer comme le coup de cœur de la conférence. Euh, c'est donc ton coup de cœur Bruno voilà. On est voilà. d'accord. On... Et c'est quoi ton coup de cœur euh, C'est la Chromecast audio. La version audio. Mm -hmm. Donc, ce qui est pas mal avec la Chromecast Audio, c'est que... Euh, alors, rappelons de quoi il s'agit. Alors, c'est un petit médaillon. Voilà. J'appelle ça un médaillon. Je trouve que oui, c'est plutôt... C'est euh, bien voilà. trouvé comme... Un petit image. médaillon rond. Alors, euh, il faut le brancher en micro-USB. Hein. Souvent, euh, Google un peu occulte, parce ouais. que ça fait un peu moche. Euh, voilà. Mais il faut l'alimenter en micro-USB, en USB. Donc, euh, par... Il y a une sortie et une entrée. Voilà. Euh, il y, y a un câble qui va vers... Pour alimenter en électricité en micro-USB, le médaillon et le, la... Sortie il y la sortie audio qui est une sortie jack, mais dans laquelle il y a une sortie optique intégrée. Donc on peut mettre un adaptateur optique euh, jack vers optique. Ça c'est pas mal en fait, c'est ouais, qu'on va, va pouvoir sortir. De l voilà, numérique. On va sortir euh, du jack, de l'optique hum. et du RCA. Donc, euh, en fait, pour pouvoir toucher à peu près tous les, les appareils audio euh, domestiques dans le monde entier. Quoi. Et en deux mots, pardon, Bruno, je crois qu'on ne l'a pas dit, il faut le rappeler, ça sert donc à envoyer de l'audio depuis un smartphone ou une tablette vers une enceinte amplifiée, une chaîne EFI, enfin, ouais. tout ce qui a une entrée mini jack, en fait. Voilà, c'est pas mal parce que, euh, effectivement, c'est une solution qui a l'air très très simple, plutôt bien, plutôt bien implémentée en termes logiciels. Mm -hmm. Vraiment, euh, il suffit d'un clic pour se connecter à l'enceinte et euh, d'après les démonstrations qu'on a vues, euh, je veux dire, le, le, le démonstrateur avait, euh, avait l'appareil, euh, le Nexus dans les mains, mm -hmm. avec, euh, connecté au Chromecast. Il appuyait et euh, quasiment instantanément, euh, la, 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 la musique sortait de l'enceinte. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air très très bien foutu. Euh, très Alors bien que optimisé. ça passe en Wi-Fi, euh, en wifi du, du réseau ça local ça de la maison. Ça passe en Wi-Fi via un routeur, donc c'est euh, ouais. euh, routeur Wi-Fi obligatoire. Voilà, donc ça ne marche pas en Wi-Fi direct okay. directement. Et, et encore moins en Bluetooth. On est et encore moins en Bluetooth. D'accord. Il faut il faut une box à la maison. Il faut une, il faut, une, il faut une, box. une box ou un routeur. Et il faut que la Chromecast et le et le, le smartphone soient sur ouais. le même réseau Wi-Fi. Et le petit plus parce que alors, ce genre de joujou ça existe déjà. Hein, on trouve ça chez Logitech ou euh, chez d'autres marques. Mmh. Mais le petit plus c'est que c'est multiroom. C'est multiroom, alors euh, attention, c'est multiroom, mais ça veut dire qu'il faut en acheter ah oui, plusieurs. Bien sûr, hein il en faut bon, plusieurs. ça coûte, oui. je dirais, que 35 dollars. Euh, 39, je... euros. 39 euros. 39 donc. euros. Là, l'écart est pas euh, indécent. Non. Bon, 39 euros, à condition, effectivement, d'en acheter un pour chaque pièce. Honnêtement, ça se, ça se défend, parce que euh, les gens n'ont pas forcément envie de, de racheter un haut-parleur, de racheter une oui, chaîne, sûr, et tout ça. On recycler du matos qu'on a. Voilà. Ouais, ouais, le, ouais, ouais, ouais. Le, le, la limitation, c'est qu'on ne peut que lire de la musique en streaming, donc des, du, de la musique qui vient euh, du, du cloud. cloud et on ne peut pas lire des, euh, des MP3 euh, stockés en local. Ah bon voilà. ah, ah oui, oui c'est dommage. Ah oui, oui. ah oui, donc c'est pas aussi... C'est pas aussi souple que Sonyce. Ça c'est un vrai point faible. C'est eh oui. dommage. Ouais. D'accord. Donc ah. il faut être abonné à un service de musique. Euh, il faut être en abonné ligne. à un service ou alors de des musique radios internet. Euh, des voilà, choses voilà, comme ça, exactement. Tout ce qui euh, est en ligne. Par, et, euh, euh, par exemple euh, Google Play Music. Oui, hein bien sûr. Hein ou au hasard. Exactement. <laughs> <à Google. rire> hein au hasard. Mais Spotify est aussi compatible. Voilà. Et puis bon voilà autrement des radios musicales mmh. gratuites et la nouvelle Chromecast euh, normale. donc ça c'est ton coup de cœur on est d'accord ça hein. c'est le coup de cœur Chromecast, Chromecast, Chromecast audio, bah, audio. c'est nouveau d'accord c'est nouveau okay. c'est une nouveauté ils tentent quelque chose de plus bon c'est et pas puis mal. donc deuxième appareil une la Chromecast cr... tout court clé comme cr... voilà qui, qui a été mise à jour voilà qui euh, ils ont changé le design euh, là c'est pareil un petit médaillon ce qui est sympa c'est que vous voyez là le, le, le câble HDMI plat là qui sort euh, de, du médaillon en fait il, il peut se replier sur le médaillon et il est aimanté donc on peut, oui, le, on peut pas le porter comme ça. Ça fait quand même ça, encore quand beaucoup de câbles. Hein. Ça fait un peu beaucoup de câbles, ça surtout là, il ne montre pas le câble micro USB qui est qui ouais, nécessaire voilà. pour alimenter. Alors là, derrière, pour la Chromecast, c'est plus simple parce que souvent maintenant, les télés ont des sorties USB. Donc c'est possible de le brancher directement sur la prise HDMI de la télé et de l'alimenter via la... La sortie, enfin euh, le port USB de la télé aussi. Donc euh, mm. c'est plutôt facile. quoi Et là encore une fois, ils ont amélioré la rapidité des services. Euh, ils ont fait des, des, ce qu'on appelle du pre-fetch, c'est-à-dire ils euh, préchargent en fait euh, les vidéos qui euh, sont le plus susceptibles d'être lues. Par exemple, si on a ah oui. regardé le un proxy, premier épisode euh... d'une série, et eh bien ça va précharger le deuxième ah oui, épisode pour pouvoir le lire tout de suite dès qu'on appuie sur play. On n'a pas à attendre que euh, la, la vidéo se mette en mémoire tampon, se hein, comme on dit, mmh. donc elle sera déjà chargée et à ce moment-là, ce sera du play et on regarde tout de suite la vidéo. C'est plutôt, euh, c'est plutôt sympa. Bon, il ouais. y a quelques fonctionnalités de plus puis, une, et une nouvelle application Chromecast. Et puis on passe en full HD. La, la Chromecast voilà. était en 720p. Si on a une télé full c'est un peu mieux. Alors justement, puisqu'on en parle, oui. euh, utilisez-vous une clé Chromecast ou équivalent pour diffuser du contenu sur votre télé C'est la question 01 net orange du jour. Et voici la tendance. Non à 55%, oui à 44%. Donc il y a encore de la marge. Oui, mais c'est vrai que ce, ce, ce résultat sûr, est peu un peu près. faussé aussi par le... Par la présence des box en France, hein, c'est vrai qu'en général, quand on a une box, on se sert pas beaucoup de Chromecast, sauf sur un deuxième télé. Moi, typiquement, c'est ce qui se passe chez moi. Mmh. J'ai une box dans mon salon qui fait euh, le job, euh, mais c'est vrai que dans ma chambre, j'ai une, une télé euh, ouais. sur laquelle je branche un Chromecast pour me regarder des séries. C'est un multi-room vidéo. Une en fait. box et une Apple TV et ça se marie bien. Hein, ça se marie bien, c'est complémentaire. Ouais. Pas la bah même oui, chose. oui, 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 c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent malgré tout. Euh, S'ils n'ont pas envie de dépenser des milliers de cents d'une box euh, le, sur leur, oui, dans leur vrai salon. Oui, y a déjà quoi. beaucoup de choses euh, sur les boxes. Ouais. Ok, Parfait. très bien. On n'a pas eu le temps tellement de parler de la petite tablette oui, hein on en parle on a vite fait. Cette tablette, elle, elle n'était hein. pas à Londres, elle était uniquement aux États-Unis. Mmh, Nous, on Pixel, était à Londres. Euh, la Pixel C, ben, pour vous euh, introduire la suite, euh, et ben, la Pixel C, elle a le même processeur ultra puissant Nvidia, Nvidia Tegra X1 qui est dans ce que euh, va vous présenter Emrick tr très prochainement. Pardon. Un processeur très puissant. Et là, c'est dans une tablette avec son clavier, euh, un écran très haute définition dans un format très particulier, 3,5 demi. C'est le format du Chromebook euh, déjà, du Chromebook pixel de Google. C'est un écran euh, vraiment euh, très carré, euh, c'est assez sympa pour bosser. Et euh, le truc qui est assez sympa, c'est que euh, lorsqu'on referme la tablette mm -hmm. sur le clavier, la tablette va recharger le clavier par induction. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympathique. Voilà. Ouais, on ça attend va, maintenant de la, la tester. Euh, ouais. on, on attend de la tester. Et sachant que le processeur est un très puissant dedans, j'ai très peur en termes d'autonomie ah, ouais. aussi. Voilà. Mm -hmm. On sait quand ça sort à quel prix ou pas euh, ça sort avant Noël. Et alors, euh, le prix, ça commence à 500 dollars, okay. je crois. Parfait. Merci bon. beaucoup, Bruno. Merci de rien, Bruno. avec plaisir. Bruno plaisir. Cormier, qui était à Londres, donc, et qui nous a fait vivre, euh, d'ailleurs, même euh, ce soir-là, toutes les, toutes les nouveautés Google et Nexus Merci. On revient dans un instant, 18h21. Et on va enchaîner avec le Labo Zéro Honnête, et Simon et François Bedin, qui ont plein de petits produits sympas à nous faire découvrir. À tout de suite. Et le hashtag 01 live sur Twitter pour nous laisser vos petits messages pour réagir au sujet qu'on évoque. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours cette enceinte Cthulhu 2 de Divacor à gagner. Et euh, c'est tout simple, il faut écouter ce 01 live Hebdo attentivement. Euh, on vous pose une question sur www.zeroNetTV, une question qui est liée en fait au sujet qu'on évoque. Donc il faut regarder 01 1 live Hebdo pour pouvoir y répondre. Et si vous attirez au sort, cette enceinte Cthulhu 2 sera à vous. Bonne chance Bonsoir Émeric Siméon. Bonsoir. Ça va bien. Ça et va. François Baudin qui est là également. Bonsoir. Et oui, les deux dignes représentants du labo en ce jeudi soir sont là. Alors, bien je pense qu'on va, on va commencer par la... la parce que tu nous as apporté Emric. ouais. On dirait que euh, ça me fait penser, tu sais, aux antennes TNT, les premières générations d'antennes TNT, un, genre, euh, ou alors un prix cinématographique. Ah, oui, oui, c'est ça, genre, ou alors un routeur Wi-Fi ultra fort. Voilà, ça pourrait être ça. Alors, ça non, là, les antennes, alors en fait, pas du tout, pas du tout. On va rester alors. un peu dans la, je t'en prie, je bien. on va rester un peu dans l'écosystème Google. Puisque en fait il s'agit de la Shield Android TV de Nvidia. Voilà, alors ça a été tout frais tout chaud annoncé euh, hier et euh, donc ça commence à arriver dans les étagères dès aujourd'hui. Euh, donc le principe c'est quoi C'est une petite boîte, euh, on va dire un super media center euh, de la mort qui tue puisque elle est euh, Compatible 4K, on peut jouer à des jeux Android, on peut streamer des jeux depuis son PC, on peut streamer des jeux dans le cloud. Enfin, grosso modo, c'est euh, assez bluffant euh, comme, comme petite boîte. Alors, François, je te vois affronter. Sont ce là non, 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 non la parce la série, que non. je me dis, ça fait. Euh, qu'est-ce que ça ne fait pas en fait Alors, ça, ça ne ça fait la question. pas. Est-ce est que c'est une console de jeux à part entière Est-ce oui que je peux installer je, des je jeux Je vais te faire une réponse euh, voilà, qui n'en est pas une, oui et non. Euh, ce n'est, C'est une console de jeu Android. Parce qu'en fait, on a sur euh, le Google Store euh, des jeux qui sont optimisés pour l'écosystème Shield, oui. euh, un peu moins de 80, je crois. Euh, les autres sont compatibles, hein, on s'entend bien, mais euh, l'affichage va pas être terrible, euh, la compatibilité à la manette oui, n'est pas assurée, etc. Voilà. Tout ça. Donc là, dans les 80, on est assuré que ça marche sur la Shield. Avec en plus voilà. des jeux donc plus évolués, j'imagine graphiquement, qui vont bénéficier en fait de toute la puissance. Voilà, tout à fait. Parce que comme, et on va rebondir sur la, la keynote de, de, de Google, en fait, dans cette tablette, il y a la Tegra X1, qui est aussi la puce qui fait fonctionner le Pixel C. D'accord. Voilà. Donc le Tegra X1, qui à la base avait été pensé pour l'automobile par Nvidia, finalement, on le retrouve aussi dans cette espèce de, de, petite, de petite boîte. Mais on dit c'est puissant, c'est puissant, mais par rapport, je veux dire, à une carte graphique vidéo, par rapport à un processeur. Intel, qu'est-ce que ça donne Alors, par rapport à une carte graphique vidéo, merci de me faire un super super pont, euh, la génération de la X1, c'est à peu près, enfin en tout cas, l'architecture de la puce est à peu près la même que celle qu'on a dans les GeForce actuelles de série 9. Donc c'est vraiment puissant. D'accord. Voilà. Alors, de là à dire qu'on va pouvoir faire tourner les derniers jeux AAA type Call of, etc., non. Euh, voilà. mais non, déjà voilà. sous Android, c'est compliqué. Voilà, sous Android, ça va être compliqué. Euh, mais euh, en tout cas, on a assez euh, de chevaux euh, sous le capot pour faire tourner quand même des jeux euh, qui ont un certain euh, réalisme et en tout cas qui sont vraiment très beaux. cest qu'on est, qu on est, est -ce vraiment moins d'un Est-ce que c'est est -ce hein, euh, est voilà. plus puissant qu'une PlayStation 4 ou qu'une Xbox One C'est pas plus puissant, loin de là, mais en... on va dire qu'en termes de rapport, si on devait la comparer à une console mmh. à peu près existante, on serait à peu près au niveau d'une Xbox 360. Ou une PlayStation 3. Si on veut. Voilà. D'accord. Ouais, voilà. une... Ah ouais, quand même. Y a une old le... gen. Voilà. voilà, une old gen digne de son. Il y en a quand même sous le capot. Il y en a Pour sous le capot. Il un truc qui pèse, bon qui n'est pas très lourd. Alors fais attention parce qu'il y a quand même le, 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 as le support ah Il oui, oui, si reste accroché. Ne en te lâche pas ils sur l'iPhone. ils se sont quand même lâchés oui, sur le design là. Hein. Ouais, c'est super beau. un bel effort. Ouais, ouais. Alors, on a dit… 4K donc, c'est ce que tu dis. 4K, voilà. Donc, Effectivement, on a pu tester Netflix 4K, ça marche super bien. C'est dingue. Euh, Combien de débit Alors voilà, on va arriver sur le petit problème un peu épineux. C'est donc euh, comme c'est co un ouais, boîtier justement. connecté. Hein, ouais. Donc, boîtier connecté dit une connexion Internet. Euh, donc, euh, ouais il voilà. y, de euh, y a des recommandations. Non, non, voilà. Il y a des recommandations Nvidia, bien entendu. Euh, alors, moi, à titre personnel, je conseillerais, pour être tranquille, à la fois sur la 4K, mais aussi le streaming de jeux vidéo, hein, dont je vais mmh. vous parler juste après, euh, une... Connexion de 15 meg c'est déjà... Euh, pour moi, c'est le minimum. Donc, Et deux préférences en filaire. D'accord. Mais avec 15 M, si on a vraiment une très bonne connexion ADSL... Bon, il faut avoir une très bonne connexion DSL. Ouais. On peut faire tourner de la 4K Alors, que... en fait, voilà, on va faire tourner du 4K via Netflix. Donc, il faut quand même savoir que oui, Netflix est de euh, très compressé. Mais voilà, mais tout, avec euh, un super buffer, va... etc. Donc, la puce le gère sans problème. Nous, ouais. on l'a essayé en Wi-Fi ici. Hein. Donc, on l'a mis en, en difficulté maximale. On l'a mis en Wi-Fi euh, sur les routeurs du labo et aussi euh, sur les routeurs de ZeroNet TV pour voir un peu comment est-ce qu'elle tenait. Là, et ça tient est bien notre routeur de ZeroNet ouais. ouais. TV. Il est bien. Il est bien. Et donc le dédit qu'on a ici, les amis. Ça tient. Ça tient bien. Il faut voilà. ça pour la vidéo. Hein. Voilà, oui, alors la 4K, ça tient bien. Et alors le jeu en streaming, ça tient bien aussi. Il y a, euh, avec le lancement de la Shield, GeForce Now, qui est l'ancien euh, en fait, service qu'on appelait Grid, et qui est gratuit pour en 3 mois, et après en abonnement sans engagement pendant 10 euros par mois, enfin 9,99 euros. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on a On a, On a euh, plein de jeux euh, sur les... qui sont normalement destinés au PC. Notamment, je pense à The Witcher 3 qui donc, est sorti cette année. Donc là, Florian nous montre des photos de chalet. Je ne sais pas bien voilà, pourquoi. Voilà, alors mais... c'est la 4K. C'est parce que euh, ça décode de la 4K depuis des clés en USB. Fait, il nous ses photos, euh, ah, voilà. ah, ses photos de vacances. Ah, c'est ses photos de vacances. il, était, oui, en il Suisse, était en Suisse est et, et, et je, je pense qu'il s'est trompé de bouton. C'est ça. Là, voilà. voilà. Non, non, non. C'est la 4K. Et, euh, donc voilà, donc on peut, on peut streamer des jeux vidéo euh, depuis les serveurs d'NVIDIA. Alors avec un bémol. C'est que là, pour le coup, il faut vraiment avoir une bonne connexion. Mais vraiment. Euh, J'insiste. Mais euh, genre plus de 15 mégas Genre euh, 20, 20 bons mégas tassés quand même. 20 pour 20 jouer en streaming ouais. Alors qu'on n'est pas en 4K Non, on est en full Et HD. Pourquoi bah Parce qu'en qu fait. Il faut plus de débit en full HD pour un parce jeu. Qu il y a que... Pas le... Parce que le, le, les techniques oui, de compression ne sont pas les mêmes. Ça, il doit y avoir plus de buffering euh, euh, sur le Voilà, c'est voilà, ça. Et donc euh, moi je, je recommande chaudement 20 mégas. Sinon on va être. Euh, avoir voilà, cest faut ça. avoir de la DSL de plus, ouais. minimum, de la fibre, c'est encore ouais. mieux. Ou royal. du VDSL. Ou du VDSL, voilà. Alors, il faut quand même savoir que pour ceux qui ont une petite connexion, euh, bon, il y a quand même moyen de jouer, hein. mais euh, ça ne va pas être top, top. T'es euh, triste, Pac-Man est, Pac 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 est spécialiste. Non, 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 non. Vie, hein. mais on va pouvoir jouer, hein, on s'entend, mais c'est-à-dire qu'il y aura sûrement des sauts d'image, ce ne sera pas ouais. aussi beau que. Voilà, bon. On va peut-être passer au prix parce que c'est vachement oui, oui, intéressant. Absolument, hein. on a des questions, évidemment, tout le monde veut savoir combien ça coûte. 200 euros dans la version 16Go. Extensible via micro SD avec une carte jusqu'à 128 go Et il y a une version qui s'appelle Shield Pro, qui est vendue avec un disque dur hybride de 500 go et qui sera vendu 300 euros. Donc qui va arriver là, qui s'appelle Shield Pro. Il y a la Shield et la Shield Pro. À ça, malheureusement, il va falloir ajouter le prix de la télécommande puisqu'en fait la shield n'est livrée qu'avec une manette alors qui fait office de télécommande il hein, n'y euh, a pas de souci mais si on veut une vraie petite télécommande petite télécommande que j'ai en plateau donc si on veut bien me la montrer à l'écran voilà elle ouais. est là oh, cette oh, petite belle. télécommande euh, par le euh, par le truchement de laquelle on peut aussi parler à sa console comme avec la manette ça je l'ai pas dit mais on le peut... truchement de laquelle c'était super pas public. mal hein. ah ouais euh, je referme euh, la parenthèse voilà euh, on peut parler à sa console euh, via la manette ou via la euh, via la, la télécommande avec Google Now ça marche pas mal hop à part et fini donc la, la petite euh, la, la jolie petite télécommande que vous voyez là vaut la bagatelle de 55 euros et n'est pas livrée avec la console. Ah, Donc, il faut l'acheter ah à côté. Ils ouais. ont pris le virus Apple ou quoi Voilà. Et alors pas le, pas support, avec... euh, ah, le, le support, le support, le 35 euros. Non, non. Si, si, 35 euros. Alors il est en métal, il est beau, hein, tout ouais, plein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Enfin Mais bon. là, euh, faut quand même avouer qu'Envidia c'est un peu lâché sur le prix euh, ouais, des <laughs> accessoires. Ouais, ouais. Je suis pas sûr, euh, très honnêtement, qu'ils qu arrivent, en tout cas, à en vendre des quantités astronomiques. Non, les supports, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, je pense pas. Simplement, nous ce qu'on aurait aimé et on l'a testé et le est en train d'être publié Ouh. là sur 01net, sur, sur donc je vous invite à aller le lire pour pouvoir répondre à toutes les questions techniques, etc. Nous, ce qu'on aurait aimé, euh, c'est qu'NVIDIA propose une version à 199 euros avec une manette et une version à 199 euros avec la télécommande, puisque la, télé la manette vaut 60 euros. Donc 60 euros, 55 oui, euros, hein, voilà. C'est oui, oui, bon, une petite oui. affaire. Comme ça, ça laissait le choix de pouvoir la piloter Ouh. soit en tant que Media Center juste avec la télécommande parce que la, divi enfin, le, la dimension jeu ne m'intéresse pas, ou alors s'il n'y a que la dimension jeu qui m'intéresse et je veux faire un peu de 4x4 de temps en temps. J'ai la version avec la manette. Et ça, Nvidia ne le propose pas. Alors peut-être qu'ils le proposeront plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Bon, voilà. Euh, très bien. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas installer Windows là-dessus. Alors on peut pas installer Windows. Et alors, le... là, on aurait pu s'ouvrir à des jeux un peu sympas, non Ouais, alors. Oui et non, c'est-à-dire que là il y a que 16 Go hein, quand même, hein. donc Ah dose, oui. Euh, on bon, peut pas. Voilà, on peut pas rajouter enfin, un peu. De... Si on peut rajouter, hein, je l'ai dit, 128 Go okay. en micro SD. Mais euh, bon, là ça va être compliqué. Alors il y, y a tout un ah tas de Windows tout un tas de fonctions télé. sympas, ça. tout ça, etc. Je non, vous mais Windows 10 euh... ça peut être cool. Donc pour oui. jouer, on parle bah, de beaucoup des mini PC, mais c'est pas assez, ça serait pas assez puissant. Je pense que là pour le coup on, on détériorerait l'expérience. D'accord, vraiment. Et surtout, ne détériorons pas. Ne pas. Ne pas. Non mais ce qu'il faut voir c'est que ça ne vaut que 200 euros. Ne détériorons pas l'expérience. Donc ça ne vaut que 200 euros. Ah ouais, donc et c'est un décodeur 4K et c'est... Le un des avec alors bon je, je, je mets volontairement à part la, 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 la Freebox Mini 4K oui. c'est le premier décodeur 4K qui coûte 200 euros oui c'est sûr c'est sûr oui, qu'on peut vu, la comparer vu, la Freebox 7K. comme ça c'est pas mal. aussi une puce pour ça voilà, voilà, doit être, être plus puissant puis on quoi, peut ouais. pas tellement le comparer parce que cette petite chose là ne fournit pas d'accès internet et bien sûr hein, ce n'est pas un routeur c'est pas un modèle voilà. ni rien c'est vraiment une simple boîte à lire exactement bon. voilà. merci beaucoup Emmeric très bien merci donc rendez-vous sur theinternet.com pour lire le test tout à fait il y a une vidéo ça y est le test est normalement en ligne là il y a une vidéo qui paraît demain ou dans le week-end. Hashtag voilà. okay, voilà. 01Live si vous voulez bien sûr euh, réagir. Beaucoup de questions, Emmerich. Euh, ouais. Tiens, euh, je vais vous mettre le lien chill. sur Twitter. Euh, Est-ce qu'on peut piloter la console avec son smartphone Android J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Ça. Alors, oui, je ne l'ai pas, pas dit. Il y a un Chromecast intégré euh, oui. et on peut aussi piloter, alors en partie, hein, la, la, effectivement, la, mm. la, la console avec son smartphone Android euh, ou son PC Chrome ou iOS. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup, Émeric. Et on accueille avec beaucoup de plaisir François Benin maintenant. Merci. Dans Zébron avec Bubdo. Salut François, avec une petite enceinte qui, euh, comme ça, a l'air bronze On se dit, ouais, elle est cool, elle est jolie. Euh, voilà. Mais quand François la met en route, mesdames, messieurs, hmm. il se transforme en David Guetta. Regardez-moi wow. ça. Alors on va peut-être. Voilà. Allez, un je te peu la prendre. Prendre. Je sais pas où, Pierre, tu veux qu'on se mette où où vous voulez. On a trois caméras, c'est open bar. Mais regardez les effets visuels qu'il y a. Si tu peux nous zoomer un peu là, regardez ça, c'est génial. Ça, il adore ça. François a ah, toujours aimé mais... les enceintes qui font de la lumière. Ah mais écoute, c'est peut-être mon côté quand j'étais gamin tuning, mais je trouve ça excellent. Et puis c'est beau en plus. Là, on dirait qu'on a euh, un petit bras zéro. Oui, bah c'est exactement ça, c'est l'effet feu. C'est l'effet feu. Tu as, 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 as bien trouvé le. le... Voilà, parce qu'il y a plein d'effets. Voilà, il y a huit effets, si je me trompe tu peux pas. Nous, tu, tu peux nous en mettre un autre ou pas Oui, bien sûr. On ne peut plus pas plus... le faire depuis l'appli, je crois Si, l'appli, oui, mais c'est plus marrant Mais alors, Il me semblait avoir déjà vu voilà. ça. Non alors, oui, c'est le retour de la Pulse ah, de JBL, voilà. qui revient donc en deuxième saison avec donc, euh, bah, la Pulse 2. Eh oui. Pas l'Apple 2, c'est l'Apple 2. Voilà, la la 2. 2. Alors le prix bah, est toujours le même, c'est-à-dire 200 euros. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de nouveautés par rapport à l'Apple euh, numéro 1. Déjà, euh, le nombre de diodes a beaucoup augmenté puisqu'on est passé de 64 à 256 wow. pour faire, de la... pour faire donc des belles animations. Euh, deuxièmement, il y a maintenant euh, plus de basses parce qu'ils ont rajouté ce qu'on appelle des haut-parleurs passifs ou aussi des radiateurs dessus et dessous, mm -hmm. donc ça permet de renforcer les basses et ça donne un son vraiment de bonne qualité. Ça se pose debout pour quand on alors on ça se pose debout, mais on peut encore cylindre... mieux en profiter en la posant euh, à l'horizontale parce qu'à l'horizontale ça libère les deux radiateurs et, oui. et en plus ça renforce bien l'effet stéréo. Pour on les gens un qui un peu. La stéréo Excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai l'impression d'avoir, vous savez, un cylindre magique qui renferme par exemple tu, des tu pouvoirs tu maléfiques. Tu vas te transformer là. Non et que on pourrait ouvrir pour dégager, je sais pas moi, un pouvoir un peu effrayant. Je te verrais bien passer dans une autre dimension d'un coup. Ah oui, mais ça, c'est pas sympa, parce que ça, je te vois bien <laughs> arriver. Tu, tu veux que je disparaisse, c'est ça J'ai pas dit ça. C'est pas beau. Bon, et alors, alors, en plus, elle a un truc assez génial, non, François Alors, elle a un truc assez... C'est un peu du gadget, mais quand même, là, ils ont fait fort sur le plan technologique. C'est pour, en fait, choisir la couleur prédominante. Sur la Pulse 1, il fallait appuyer sur un bouton. Ouais. Et là, il y a un capteur de couleur qui est là. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Mmh. Et en mettant ce capteur de couleur contre un objet et en essayer. appuyant on sur un peut... bouton de l'autre côté, alors il faut vraiment le mettre contre. Eh bien, l'enceinte va des choper des là, ou, pas ou ça marche pas Ah bah oui on Sur, sur alors attendez, parce que moi j'ai une veste noire, donc il faudrait qu'on essaie ouais. sur quoi Sur ta chemise rayée, euh, Divacor, oh, Rose et blanc, ça va marcher ou pas ça Voilà, alors qu'est-ce qu'il va nous voilà sortir, oui, Il a une chemise rose, ça nous fait du bleu. Ah écoute, c'est génial oh, C'est magnifique, ça marche non, bien Ça marche bien <laughs> sur du. Là, sur du non, vert. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas. Voilà, sur du vert. C'est que là, on fait des expériences en temps réel, messieurs. C'est impressionnant. Igor et Grishka à côté, mais c'est la rigolade, quoi ah oui, ça, on voit un peu la lumière euh, ouais, vert-jaune. Vert, Alors attention, ouais. parce qu'il y a quand même des, des effets de transition. D'accord. Enfin de toute façon, on a, on a vu sur les images vidéo que nous envoyait Florian que ça marchait très voilà. bien avec ta chemise bleue. Et François, qu'est-ce que ça donne au niveau son Parce que c'est quand même JBL. quoi. Alors, comme je dis, le son a été donc amélioré par rapport à la Pulse. Ouais. Et ben, on va en mettre un petit peu. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui va si nous ça balancer Ça marche. Ouais, c'est pas mal, hein. Écoutez le son de la JBL, regardez, il est là. Non mais c'est pas mal, ça a du coffre. Alors c'est Emmerich à la guitare, hein. je tiens quand même à le préciser, tout <laughs> cas ouais. vous auriez un doute. Voilà, tout à fait. On reconnaît bien son toucher, ouais, hein. Tout à fait. J'aimerais bien, hein, mais... C'est très sympa comme musique. Voilà, hein. Alors comme je dis, donc, okay. on a passé donc vraiment, il y a, y a... Vraiment, il y a plus de basses et c'est quelque chose qu'ils ont commencé avec la, la Flip 3, où ils avaient oui. déjà mis ce système pour renforcer les basses. Alors, il faut que je rajoute deux autres choses. Oui. Petite 1, elle est euh, résistante aux projections d'eau. Elle n'est pas étanche, mais au moins elle résiste aux projections d'eau. Aux projections tout court. Et pas aux projections tout court. Soirée François, peu trop, un peu je voilà. que Ça allait pouvoir faire encore un truc. Et tweet, là, une chose vraiment non. très sympa par rapport à la première, ils ont fait des efforts sur l'autonomie. Ah. Donc, ils annoncent 10 heures. Effectivement, on a mesuré 10 heures, mais c'est avec les diodes allumées. Et si on éteint les diodes, on monte à 16 heures, ce qui est deux fois plus que la première pulse. Ah, Donc, clair. 16 heures, quand on l'utilise par exemple à l'extérieur et qu'on n'a pas envie de mettre en route les animations, mmh. c'est vraiment sympa. Et est-ce qu'elle tient 10 heures si on écoute Spotify Bon, moi je vais y aller. Est-ce qu'elle est obsédée avec Spotify. Non, 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 je sais pas. Ça m'est sorti non, comme ça. Non, elle tient, elle tient 10 heures en écoutant de la musique, euh, quelle qu'elle soit. Après, ça dépend du niveau sonore. Là, je dis il y a un niveau sonore normal oui. pour une non, petite mais pièce. C'était le, le Alors, jeu voilà, de, voilà, de je, françois C'est ouais, pour ça qu'on ai l'aime aussi. aussi. Mais bon, voilà. finalement, c'est pas mal, pour, info, euh, voilà. pour info, la Toulouse 2, elle a une autonomie absolument monstrueuse. Ah oui, on sait qu'elle aime bien. Elle arrive dans les premières, voire premières de notre comparatif permanent dans d'enceinte globale, justement, à cause de l'autonomie. Et bien, voilà. justement, quelle belle transition! Cette Cthulhu <laughs> voilà. 2 est à gagner, les amis. Donc, écoutez bien si vous arrivez à l'instant euh, pour ce Zéro en Live, rembobinez-le sur le replay. Hein, vous mettez la cassette, vous appuyez <laughs> sur que rewind ce soit, attendez que ce soit terminé d'abord. <laughs> voilà, ah. euh, vous le rembobinez, vous écoutez le jeu. J'ai encore un truc à vous dire. Et, et surtout, vous écoutez euh, entièrement Zéro en Live hebdo. On, on vous donne la réponse à la question qu'on pose sur zéroanettv.com pour remporter cette enceinte Cthulhu 2 par tirage au sort. Ouais. Alors, allez, on a largement débordé, mais est-ce que tu m'accordes quelques minutes de plus ah, si pour tu veux. présenter ce petit produit qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il sort aujourd'hui, donc on est en plein dans l'actu. C'est ton appareil photo français. La deuxième, c'est qu'il est français. français. C'est une vraie innovation high-tech française, et je ne te permets pas de rigoler. Bah, je ne rigole pas. <laughs> c'est un. Je suis très fier. Et c'est pas mal du tout. C'est donc le DXO One. Et qu'est-ce que c'est lorsque... alors lorsque je l'ouvre ici, je vais déployer un petit. Connecteur Lightning, que vous connaissez bien si vous avez un iPhone, alors c'est réservé aux iPhones. Hein. Je branche ça sur mon iPhone et ainsi je transforme mon iPhone en véritable appareil photo avec, tiens-toi bien, un capteur de 1 pouce, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en, en photo euh, grand public, on va dire. Il oui. y a un véritable capteur de 1 pouce à l'intérieur, oui. Oui, oui, François Bonin, tu peux me regarder, etc. Non, non petit... Jérôme, mais j'attends que tu me donnes le, le, le prix, c'est le prix qui va m'intéresser. Non, mais le prix, le le il... prix non, non, c'est pas, est est pas, pas important. Franchement, entre nous. Quoi. 20 mégapixels, il y a toute une suite logicielle à l'intérieur, et puis surtout, c'est-à-dire qu'avec ça, tu te retrouves avec, euh, véritablement, quasiment la capacité d'un réflexe, euh, euh, grand public, on va dire. Tu fais des photos où, donc avec tu... un capteur comme ça, t as, t as la qualité d'un réflexe. Ah ouais, ouais. Bah attends, euh, fait pas l'innocent. On a testé tout à l'heure, notamment les oui. photos en basse luminosité. Voilà, on vrai. a comparé avec un iPhone normal et on arrive à faire des photos quasiment dans le noir, parce qu'en plus DXO, donc une boîte française, est spécialisée dans, au niveau logiciel. Ils ont un, un logiciel de traitement d'image ils éliminent oui, ils le bruit, etc. Dessus, ils donc. sont très connus là-dessus. Donc ça sort aujourd'hui. Ça fait aussi de la vidéo hein, avec euh, les mêmes capacités. Donc euh, avantage. Notamment euh, du, de ce type d'objectif, on peut faire tu sais, avec des photos avec une profondeur de champ courte, donc l'arrière-plan est flou, c'est très joli pour les portraits, etc. Petit point faible, il n'y a pas de zoom, pas de zoom optique, mais comme on a une très bonne résolution, on peut se permettre de zoomer après. Il ouais, y a une carte mémoire voir. à l'intérieur pour. Donc ce n'est pas comme un euh, réflexe. Quoi. Non, ce n'est pas comme un réflexe pour cet aspect-là, mais bon, au niveau du ouais, capteur et de la, ouais, ouais. Et de la le, densité de pixels, ouais. on est proche d'un réflexe. Et le prix, alors j'avoue... Alors juste un truc sur la vidéo, ouais. on ne peut pas avoir de son sur la vidéo. On peut pas avoir de son sur la vidéo. C'est quand même un tantinerme. C'est vraiment orienté photo. <laughs> non mais c'est... <laughs> c'est orienté photo. En, en fait, attends. ça s'adresse à qui Ça s'adresse à... Si vous, vous êtes... Dit vraiment... fois, ça serait peut-être pas mal. Si vous êtes fan ou... de photo, vous aimez shooter avec votre réflexe, oui. mais évidemment, c'est gros, un réflexe, vous n'avez pas toujours avec vous. En revanche, vous avez toujours votre smartphone. C'est classique. Eh bien là... Vous avez ça dans votre poche, vous le pluguez sur votre smartphone, votre iPhone, encore une fois je le répète, ou iPad, et vous vous retrouvez avec la possibilité de faire vraiment des photos d'excellente qualité. Il y a des trucs, j'ai vu des photos qui ont été faites euh, par euh, des paysages, la nuit, etc. C'est vraiment magnifique. Mmh. Euh, voilà le concept. Et ça stocke les photos où Alors les photos sont envoyées directement dans l'iPhone. En revanche, les vidéos sont stockées sur la carte mémoire. Pour préserver la mémoire de l'iPhone, et on peut les transférer si on le souhaite. Est-ce euh, que je peux stocker des photos cas. sur l'appareil Oui, et je, ça marche même en fait euh, débranché. C'est-à-dire que là, je peux te prendre en photo. Ah, tu me prends en photo. Mmh, voilà, mmh. je vous prends en photo. Ça fait, ça fait truc d'espion. Ouais. Exactement. Tu peux faire des trucs, des paparazzades très discrètes comme ça, ouais. là, tac tac. Ouais. D'accord. Et ensuite, tu les transfères dans le, dans Évidemment, il y a plus, il a pas d'écran pour viser dans ce cas-là. D'accord. C'est du, non, c'est de la belle qualité. Ça mérite vraiment d'être signalé. Hein. Donc c'est euh, français, ça a été conçu. Ils sont basés à la fois à Neuilly et à San Francisco. Ça a été conçu à cheval sur les deux. Et ça coûte, vous allez me oui, dire. Parce que là, c'est le prix de Neuilly, si je suis me ouais, Oui, c'est cher, c'est cher. Ok, allez, ça coûte 599 euros. Bon, ça va. Attendez. 599. Non, mais c'est pas un produit non, de. C'est pas un produit de clown. C'est pas un produit de rigolo. Oui, c'est sûr. C'est un produit d'amateur de photo. Alors, ça, c'est un premier preview. Évidemment, euh, ça va arriver au Labo 0.1 net très on prochainement. A. Et vous l'avez déjà. Est, il l a. L a. Et je pense ouais, que notre ami Adrien Branco, mais ça va être très est intéressant de, spécialiste de la photo. Parce que depuis tout à l'heure, de Aujourd'hui, un réflexe, on a des réflexes à 600 euros. Ouais. Hein, donc le prix à peu près de ce petit, ce petit bisul-là, ça sera intéressant de voir si justement on a la même qualité. Bah oui, c'est la, la, la vitesse de déclenchement aussi, c'est important. Parce que oui, ce oui, qu'il y a réflexe, c'est qu'on a une vitesse pour faire des photos qui est formidable. Voilà, donc tout ça, Adrien Branco va le tester. Mais entendons-nous, le but du jeu. Hein, principal, c'est de faire des belles photos. D'accord. Voilà. Et l'iPhone n'est plus, plus qu'un écran de contrôle. Il sert qu'à ça. C'est tout. Super. Bon, bah, Jérôme, je crois que là, on a explosé les compteurs. en oui. lavé d'eau, 18h42, <laughs> tout va bien. Euh, heureusement qu'on est sur le web. Imaginez s'il y avait une émission qui attendait derrière. Là, il ne serait pas content. Euh, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Euh, on se retrouve bien sûr demain avec, évidemment, vous le savez, chaque jour. Euh, toute l'actualité high-tech en vidéo. On sera aussi la semaine prochaine avec euh, pas mal de choses concernant Microsoft, hein, Jérôme, puisque mardi soir, on découvrira ah bah de, oui. des nouveautés Microsoft. Après les nouveautés Apple, après les nouveautés Google, c'est Microsoft qui fait son show la semaine prochaine et on vous réserve aussi un live spécial jeudi prochain. Euh, sur ZeroNet TV, un live spécial qui sera consacré entre autres aux nouveautés Microsoft, mais on aura l'occasion d'en reparler. Génial, une semaine Apple, une semaine Google, une semaine Microsoft. C'est génial, ah, fabuleux. Vivement, après, là, ça sera la semaine Blackberry. Allez, puisqu'on a débordé, un une dernière goutte, une dernière minute. Euh, la question oui. ZeroNet Orange du jour, est-ce que vous news. utilisez un Chromecast ou équivalent C'est toujours non à 57%, oui à 42%. Voilà, bah voilà. non, c'est pas un truc très très répandu. C'est enfin, voilà. quand même un sur deux. Notre jeu, bah, bien sûr, sur toujours sur zeronet.tv.com. nettvcom Si vous voulez tenter de remporter cette enceinte sous de tout est expliqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Merci à Pierre Tielin. T'as vu, je l'ai bien dit. Hein. Bravo. Jean-David Jean Duarte, c'est plus facile. Et Florian Beauforton. Florian Beauforton. Voilà. <laughs> Merci à tous. Bonne soirée. Et Merci de nous avoir suivis. Salut. Salut à tous.